Salut à tous, c'est Néo. Donc là on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Donc là c'est une vidéo glitch de duplication en solo. Du coup pour réussir le glitch, vous aurez besoin d'un bunker avec à l'intérieur un centre d'opération mobile. Donc le centre d'opération mobile se trouve sur le site Warstock. Donc il faudra à l'intérieur avoir le module 2, le module 8 et le module 3, le dépôt de véhicules personnels. D'accord? Donc dans ce centre d'opération mobile, vous devrez avoir le véhicule que vous voulez dupliquer. Donc pour avoir, moi j'ai pris là ici en anticipation car c'est le véhicule qui se revend le plus cher. Mais ce n'est pas obligé, vous pouvez prendre un autre véhicule. Ok? Du coup, vous aurez besoin aussi d'avoir un appartement avec la salle des braquages à l'intérieur. C'est très très important pour réussir le glitch. Donc vous devrez aussi avoir un garage, soit du casino, soit de la boîte de nuit, soit de la Mezbank Arena. Ok? Un des trois marches, c'est vous qui choisissez. Donc moi, pour ma part, moi je prends le garage de la boîte de nuit. Ok? Donc vous devrez aussi être en session sur invitation avec votre mode de visée en visée libre. Donc si vous ne l'avez pas, vous changez soit en mode éditeur, soit en mode histoire. Ok, donc c'est parti pour commencer le glitch. Du coup là hop, vous allez prendre votre véhicule que vous voulez dupliquer. Donc pour moi c'est ma ici anticipation. Donc hop, vous la sortez de votre centre d'opération mobile. Donc en tout cas n'hésitez pas en tout cas à vous abonner pour les nouveaux et les nouveaux qui sont nouveaux sur ma chaîne YouTube. Go les 1000, les 2800 abonnés, plus que 50 abonnés et on est déjà aux 2800. Donc voilà, go continuer à partager ma chaîne YouTube un maximum. Voilà. Du coup, hop, une fois le véhicule sorti, vous allez prendre votre ici et la mettre au niveau du petit rond bleu du centre. Tac, regardez. Donc là, il y aura un petit message en haut à gauche. Donc là, il faudra reculer le plus possible tout en gardant le message. Regardez, hop. Là, encore le message. Là, on n'a plus le message. Du coup, là, on avance. Tac. Du coup, une fois ceci fait, vous allez faire triangle pour descendre. Tac. Et vous allez refaire triangle pour laisser la porte du véhicule ouverte. Regardez, hop. Je me suis fait, attendez. Fait triangle. Tac. On fait triangle et on repart pour laisser la porte du véhicule ouverte. Du coup, une fois ceci fait, vous allez changer de tenue pour pouvoir avoir le petit cercle orange pour que ça fasse une sauvegarde du jeu. Tac. Donc là, on attend bien. Le rond orange, c'est bien fait, c'est nickel. Du coup, maintenant, vous allez faire pas de tactile. Aller dans masquer icône, aller dans activité et mettre toutes les activités en mode personnalisé pour pouvoir avoir les petites icônes bleues sur la map. Une fois ceci fait, vous allez faire start, faire agrandir la map, tac, et vous allez prendre une activité la plus proche de votre appartement. Donc par rapport à c'est celle-là, et on fait carré pour lancer, tac. Donc, une fois rendu dans la queue de l'activité, vous allez soit rejoindre un ami qui a un mode de visée différent de vous, ou soit rejoindre une communauté. Donc moi, pour ma part, je vais rejoindre une communauté. Du coup, c'est parti. Allez, hop, donc là, on a rejoint. Donc là, on va confirmer le premier message et on va refuser le second message. Donc là, ça va vous faire atterrir à côté de l'activité. Tac, voilà. Et là, vous allez vous diriger dans votre appartement où il y a l'émission de Lester. Donc une fois rendu dans votre appartement, vous allez vous diriger dans votre salle des braquages, comme moi, tac. Donc regardez, j'ai bien l'émission. Donc là vous allez faire une manipulation, vous allez faire une fois flèche de droite, tac, faire rond, et refaire flèche de droite, tac. Si vous faites ça, vous allez réussir quasiment du premier coup la manipulation, d'accord? C'est très, très 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 important de faire ça. Donc là, hop, vous sortez, et là, vous allez changer votre touche. Donc, vous faites start, paramètres, commande, type de commande, et vous mettez votre commande en première personne alternative 2. D'accord, c'est très très important. Comme ça, vous allez courir avec le R2 et non avec le croix. D'accord? Du coup, hop, une fois ceci fait, vous allez faire palette tactile, vous allez aller dans style et vous allez changer n'importe quel style. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'allez rien payer. Ok? Du coup, hop, on prend par exemple le style chaleureux. Tac. Écran noir. Le style va changer. Tac.
après vous allez vous mettre devant la porte comme moi, et là vous allez courir avec la touche R2 vu que vous avez changé vos paramètres de touche. Et une fois que que votre personnage franchit la ligne de la porte, vous spammez la flèche de droite, ok? Du coup c'est parti, il en court avec R2, et on spamme la flèche de droite. Allez hop. En spam, en spam, en spam. Du coup là vous allez faire rond. Tac. Donc là le but c'est que la minimap s'enlève. Donc par rapport, je me suis fait. Du coup hop là on refait flèche de droite. Tac, on fait rond. Et on refait flèche de droite. Tac, et on fait rond. Du coup là hop, on retourne derrière la porte. On fait pas tactile. Style. Et on change un style au hasard. Par exemple, on prend le sombre. Hop. Écran noir. Le style va changer. Tac. Donc là, on refait, on court et on spam. Hop. On court, on court, on court, on spam, on spam, on spam. Et là, on fait rond. Tac. Donc radé. Ah, je pensais que la minimap allait rester, allait s'enlever. Donc là, elle est revenue. Donc c'est pas grave, on recommence. Hop, on refait flèche de droite. Tac, rond. Flèche de droite. Tac, rond. Une fois ceci fait, on retourne derrière la porte et on fait pavé tactile, style, et on change à notre style. Par exemple, on prend le coloré. Tac, écran noir, le style va changer. Nickel. Du coup là, une fois rendu là, vous allez courir avec le touche R2, spam la flèche de droite, et là, vous faites 3 pour quitter, et là, boum, c'est nickel. La minimap s'est enlevée. Du coup là, vous êtes prêt à continuer. Du coup là, vous allez faire start. Et chercher une activité la plus proche de votre garage où se trouve votre Elegy RH8. Donc pour ma part, moi c'est bien le garage de la boîte de nuit. Du coup moi l'activité la plus proche, elle se trouve ici, donc je fais carré pour lancer. Donc si vous avez un message comme quoi vous voulez héberger, vous faites rond pour héberger. Et là vous allez soit rejoindre un ami qui a un mode de visée différent de vous, ou soit rejoindre une communauté. Donc là vous allez accepter le premier message et refuser le second message. Donc là, ça va vous faire spawn à côté de l'activité. Vous allez vous rendre dans votre boîte de nuit, dans votre garage, où se trouve votre Elegy RH8. Donc pour ma part, moi, c'est bien le garage. C'est le deuxième sous-sol. Mais vous, ça peut être par exemple le premier, troisième ou quatrième. C'est où se trouve votre Elegy RH8, d'accord? Donc là, hop, je rentre à l'intérieur. Une fois que je suis bien rendu à l'intérieur, je vais me diriger vers ma Elegy RH8, monter à l'intérieur et faire R2 pour sortir. Donc si vous avez bien fait, si vous avez bien suivi les étapes, normalement vous allez sortir à pied et non avec votre véhicule. Donc là, faut juste prier que vous sortez bien à pied. Donc là, hop, faut prier, j'espère qu'on va sortir à pied. Et là, boum, on sort bien à pied, c'est nickel. Du coup là, vous allez faire start et chercher une activité la plus proche de votre bunker. Donc par barre, moi c'est bien celle-là, et on fait carré pour lancer. Donc là, si vous avez un message pour héberger, vous faites rond pour héberger. Et là, vous faites la même manipulation. Vous rejoignez soit un ami qui a un mode de visée différent de vous, ou soit vous rejoignez une communauté. C'est toujours la même manipulation, ok? Donc là, hop, vous acceptez et vous refusez le message. Et là, vous allez vous rendre dans votre bunker. Donc si vous avez bien fait le petit cercle orange en bas à droite avant de partir, normalement, votre ici aura pas bougé de place. Donc moi c'est nickel, elle est toujours là. Du coup hop, je fais triangle pour monter et je fais la flèche de droite. Donc là vous allez avoir un message comme quoi votre dépôt de véhicule est plein. Donc là vous allez l'accepter. Là c'est bon, c'est nickel, vous avez bien une duplication. Donc là c'est bien un glitch de duplication en solo. Donc n'hésitez pas en tout cas à vous abonner pour les nouveaux et les nouvelles qui sont nouveaux sur ma chaîne YouTube. Ça fait extrêmement plaisir, plus que 50 abonnés. Et on est déjà au 2800, donc je compte sur vous pour partager ma chaîne YouTube à un maximum, pour partager ma chaîne à tous vos proches, tous vos amis. Donc voilà, go continuer à me motiver. Donc moi je vous laisse sur ce gameplay, sur ces images. C'était Néo. Allez, ciao!